Coucou les amis, j'espère que ça va. Ici, écoutez, ça va, nous sommes samedi soir, il est 19h45. Ma mère vient de partir avec Clément, elle a gardé, ils ont pris Tristan une journée, une nuit, ils l'ont ramené en fin de journée, et là, ils sont partis avec Clément. Donc, on a fini le cake au fromage que j'avais eu dans un Too Good To Go, j'en ai donné un petit peu, et puis là, en vous parlant, je suis en train de faire cuire des kefta maison. Et puis j'ai fait, tiens, juste pour le plaisir de montrer, la fille qui est fière, j'ai fait une sauce avec du yaourt grec. J'ai mis de la coriandre, de l'amande fraîche, de l'oignon rouge, etc., etc. Parce qu'en fait, avec l'application Joe, j'ai eu des yaourts à la grecque. Et comme je suis pas forcément fan nature du yaourt à la grecque, je me suis dit que j'allais faire une sauce. Bref, on est là pour faire le bilan budget, hein, rien à voir. Mais comme d'habitude, je peux pas m'empêcher d'ouvrir mon caquet. Alors, au niveau de l'alimentation, je rappelle, peut-être ceux qui ne connaissent pas, on est 5, 2 adultes, 3 enfants, et on se donne un budget alimentaire de 450 euros. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée à 247,52 euros. Mon mari, il a le collerette, il nous fallait du lait et de l'eau, enfin, vraiment un tout petit appoint. Il en a eu pour 13,24 euros. Et puis, on a fait ce matin un drive au Leclerc. Je suis passée par l'application Joe. Vous verrez demain le retour de course et les menus que j'ai prévu de faire cette semaine. J'ai même réussi à avoir un panier Leclerc date courte. Grande nouveauté, j'ai jamais eu ça à Leclerc. J'avais eu des paniers fruits et légumes anti-gaspi, ils appelaient ça, mais là c'est différent, hein. Super intéressant, vous verrez ça demain. Je suis trop contente. Le drive m'a coûté 115,68 €. Ça, c'est ce que j'ai eu comme facture sur Leclerc. En fait, il m'a coûté 110 euros et quelques parce que sur le Leclerc apparaît le montant hors réduction de Joe. Et moi, sur Joe, j'avais un bon, enfin, un truc de réduction. Donc, en fait, j'en ai eu pour 110 euros et quelques. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse ensemble le défi des 2 euros. Donc, voilà. Il me reste 118,60 €, mais en réalité, il me reste peut-être 123 euros. Mais enfin, bon, voilà. On est le 24. Je trouve que c'est pas mal, hein. C'est assez rare qu'il me reste un tel montant. Et ça s'explique parce qu'il y a eu les vacances, qu'on est parti en vacances en début de mois. Donc, forcément, on n'a pas fait de course. On a dépensé autrement, hein. Les restos, on y va, on y va. On s'est fait plaisir. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que je termine le mois avec ce que j'ai acheté là. Peut-être faire un petit appoint comme on a fait là au Colruyt ou je ne sais où. Mais ça serait bien, comme ça je pourrais placer, j'aimerais bien placer une centaine d'euros sur mon épargne stock parce que je voudrais refaire un petit peu de stock prochainement. Voilà, alors au niveau, bon, comme d'habitude, j'ai nettoyé le truc, mais c'est pas possible, j'ai nettoyé il y a 30 secondes quoi. Bon, alors au niveau de mes autres enveloppes. La dernière fois, on s'est arrêté à Casto, on avait fait des petits achats pour la maison. Donc, on a acheté une barrière pour protéger la cheminée. Est-ce que vous le verrez dans le retour de course de demain ou est-ce que vous l'avez vu? Oh, ou peut-être dans un vlog. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça a déjà été diffusé ou pas, mais elle m'a coûté 99,97 €. Je l'ai payée avec mon épargne matériel pro parce que bah, vous savez que j'ai un agrément d'assistante maternelle. Donc, même si là, je suis encore en congé parental. De temps en temps, il faut acheter une poussette double. Ça fait partie, typiquement pour moi, des achats liés à mon métier. Donc, je l'ai imputé sur cette épargne-là. Ensuite, je vous ai fait un petit vlog. On a fêté l'anniversaire tous les 5, les 2 ans de Nathan. Donc, on est allé à l'Intermarché. On a fait des petites courses. Donc, j'ai acheté des chips. Il voulait des crevettes. Enfin, j'ai fait ces petites courses pour son anniversaire. Et puis, on a été également à la boulangerie où il a choisi. Parce que je lui ai dit, tu veux quoi, un gâteau au chocolat? Non, je veux une tarte à la framboise. Ok. Et une tarte aux fraises. Il voulait les deux. Donc, j'ai pris les deux. Puis, franchement, pour les deux, 25,10 €, j'ai trouvé que c'était pas cher. Après, c'était 4 parts, mais voilà. Donc, je les ai payés avec mon épargne anniversaire. Il y a eu une petite virée chez le dentiste. Ça a coûté, j'ai mis 83, c'était peut-être 83,20 €. Enfin, vous avez compris. Ça a été payé avec l'épargne santé. Bon, c'est déjà remboursé, hein. La MSA a été vite. Donc, il faut le souligner quand c'est rapide quand même. Alors, ensuite, je continue. J'ai eu la flemme d'effacer. Je ne pensais pas que j'irais au bout, mais voilà, j'ai continué. J'ai fait un Too Good To Go. On a, ben, vous l'avez vu ça, je crois, hein. Ou vous le verrez dans un vlog, je ne sais plus, ça a coûté 6,75 €. C'est des paniers repas pour 4 personnes, donc c'était très sympa. Donc, le cake au fromage que ma mère a emmené, enfin une partie que ma mère a emmené ce soir en partant, j'espère que c'est clair.
Ensuite, il va y avoir des déplacements dans les semaines à venir pour mon mari. Donc, j'ai mis frais professionnels, je vous ai pas mis le détail parce que j'ai vu passer sur l'application du Crédit Mutuel, souhaitez-vous valider le paiement? Il y a un paiement hôtel et un paiement pour des billets de train. J'ai pas mis de montant. Moi, je me ferai ma régule perso sur les épargnes. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais enfin, en tout cas, il y a eu deux dépenses. Il y a eu également un timbre fiscal puisqu'il va refaire son passeport. Pareil, c'est passé en frais professionnels. Et puis, il a fait 6 photos. On allait au photomaton hein, tout simplement ce matin. Donc, les 6 photos agréées hein, pour les documents officiels ont coûté 10 euros. Voilà, pour les dépenses que j'ai payées avec mon épargne dans mes différentes enveloppes. Et puis au niveau des autres dépenses, donc là ce sont des dépenses qui ne rentrent dans aucune catégorie, et bien il y a eu, donc là j'avais effacé, donc je vous ai mis le solde qui me restait quand on a fait le dernier point, il me restait 53 euros, et en fait les enfants sont allés chacun leur tour chez le coiffeur, j'ai mis 12,50, mais en fait c'est 12 euros, enfin c'est pas grave, au lieu qu'il me reste 28 euros, il me reste 29 euros, ça va pas changer grand chose, en tout cas ils sont allés tous les deux chez le coiffeur. Voilà les petites dépenses qu'il y a eu dans la semaine. Malgré tout, il y a quand même toujours, il y a toujours des dépenses. Quoi. Dépenses anniversaires, dépenses de santé, dépenses professionnelles, le coiffeur. Vous avez beau dire, je fais attention. Il y a des dépenses qui sont immuables. Il faut bien se soigner. Les frais professionnels, c'est remboursé. Mais avec mon défi des 2 euros, il faut quand même que je les comptabilise. Bref, on y va. Alors, il y a eu donc deux dépenses alimentaires. 7, 8, 9, 10, 11. Il faut absolument qu'après j'efface parce que c'est, ça me plaît pas. 12, 13. 13, 15. Je fais pou parce que je sais qu'il va falloir que je fasse un virement de 26 euros et ça va vite quoi. On est en fin de mois et bon voilà. Mais bon, je veux tenir mes engagements donc on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, je viens de cocher la dernière case que j'ai cochée, c'est la case 48. Donc, j'étais arrivée à 700 euros. Donc, j'ai épargné depuis le 1er janvier 748 euros. En sachant que je l'ai déjà payé par prélèvement, hein, mais l'entretien de la chaudière va se faire la semaine prochaine. Il nous a coûté, parce qu'il est payé avec mon défi des 2 euros, hein, il nous a coûté, non, j'ai mis 118, mais c'est 128 que ça m'a coûté. Il y a une erreur. Voilà. Il y a eu un bug, j'ai pris rendez-vous par la centrale, je me suis plantée au niveau du rendez-vous. Alors après, la centrale ne pouvait pas modifier, il a fallu que j'appelle le local. Et le local m'a renvoyé un truc, il y avait 10 euros de plus. Enfin non, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas bien grave. Il y a ça, il va y avoir des dépenses hein, la semaine prochaine. On doit changer nos pneus pour la 5 minutes, ils sont usés, c'est comme ça, il faut les changer. Donc il y en a pour, je crois, 300 euros. Donc ça va être pris sur l'épargne réparation, entretien de la voiture, mais enfin bon, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui va tomber? La voiture, la chaudière et l'électricien, puisque on a refait notre salon, donc on a refait le papier peint, etc., donc la barrière, etc. Mais il y a des problèmes au niveau électrique, c'est-à-dire que mon mari a voulu remplacer les interrupteurs, et il a eu tout à fait raison parce qu'ils étaient marrons, ça n'allait pas du tout être notre nouveau papier peint. Mais il y a un problème avec le tableau électrique, même quand il fait, comment dire, il disjoncte en fait le salon. Vous n'êtes pas obligé de tout disjoncter si vous voulez, enfin de couper, disjoncter. De, quand il coupe l'électricité dans le salon, et ben en fait il y a des électricités qui n'est pas coupée à certains endroits. Donc hyper dangereux, franchement il aurait pu être électrocuté. Bref, on ne veut pas prendre de risques. Et puis ça ne marche pas, ça marchait avant mais ça ne marche plus avec ceux-là, enfin bon. Il faut qu'il y ait un petit coup de neuf qui soit fait au niveau électrique dans le salon. Donc, je ne sais pas combien ça va nous coûter, quelle va être la douloureuse de ça. En sachant que, quand l'électricien va venir, on va lui demander de jeter un coup d'œil au portail. Parce que le portail a un espèce de décalage et on pense que c'est lié à l'électricité. Il y a un problème, on pense qu'il y a un problème électrique également dans le portail. Donc, voilà, je pense que l'épargne maison va chauffer la semaine prochaine. Mais bon. À chaque jour suffit sa peine. Moralité, je vais aller faire mon petit virement de 26 euros. Je suis quand même contente. J'ai une belle épargne. On est quand même que. Voilà, on est fin août. On approche de la fin août.
C'est quand même une très jolie épargne. Donc bon, secrètement, je me dis que je vais peut-être atteindre les 1000 euros dans mon défi des 2 euros. Ce qui serait génial parce que vraiment, plus j'y réfléchis et plus je me dis que cette année, l'épargne des défis que j'aurai réussi à récolter, je vais la mettre entièrement dans mes épargnes. Je vais essayer vraiment d'avoir un an d'avance sur les épargnes qui me tiennent à cœur. Donc, Noël, typiquement, à chaque fois, je le fais tous les ans, je refais l'épargne. Voilà, mais il y a d'autres épargnes qui me tiennent à cœur. Et bon, comme je sais que c'est un petit peu, les finances sont un petit peu moins, comment dire, moins étoffées que d'habitude, je pense que ça sera une bonne façon de nous sécuriser en ayant une année d'épargne d'avance. Et puis après, comme ça, on repartira. Le but, ça serait d'avoir toujours en permanence une année d'épargne d'avance. Et ça aurait été bien que je l'ai avant de vous parler là, parce que par rapport aux mauvais payeurs qu'on a actuellement, ben, ça n'aurait pas posé souci. Si vous voulez, on aurait eu notre épargne d'avance pour les anniversaires, pour les fêtes, pour l'entretien de la voiture, etc. J'aimerais vraiment avoir cette sécurité financière et même psychologique mise en place début 2025. On a encore le temps, les défis ont le temps de se remplir. Je ne me mets pas la rate au courbouillon. Les défis, ils sont faits pour avancer à mon rythme. Hein. Oui, secrètement, je me dis peut-être que j'atteindrai 1000 euros. Si je suis à 878 euros, j'ai n'importe quoi, je serai la plus heureuse. Et puis, j'ai mon défi 2024, j'ai mon défi des jours fériés. Enfin, voilà, hein, y a les autres petits défis continuent de progresser de leur côté. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter le blabla. Oups là, pardon, vous avez bougé. Il est 18h55, donc je vais aller préparer les assiettes. Donc il y a déjà, vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, hein, hop, il y a tout qui attend. Les petits morphales vont se réveiller dans pas longtemps, donc je vais préparer les assiettes et puis on va manger. Je pense qu'on va se taper, mes amis, un orage. Là, le ciel est noir, ça tonne. Il y a une alerte rafale 110 km/h chez nous. On a alerte grêle aussi. On a vidé tout dans le jardin, on a rentré les matelas des transats, on a sécurisé les voitures. J'espère que ça va bien se passer. Croisez les doigts parce que quand les rares fois où je regarde les infos, parce que moi ça me stresse, quand je vois des fois les pauvres gens entre les inondations, les grêlons qui font la taille de balles de tennis, les dégâts, je me dis oh là là, les pauvres gens quoi. Je vois déjà le tableau avec les assurances pour avoir vu comment ça fonctionne. Avec la 5008 et puis lancement avec le mauvais payeur, en résumé, on a une assistante juridique, ça sert à rien. Mais bon, voilà, c'est compris avec notre carte, donc bon, on la prend, puis bon, ça sert franchement pas à grand chose. Mais bon, on va dire que c'est pareil, ça a un côté aussi psychologiquement rassurant de savoir qu'en cas de besoin, on peut avoir une aide pour écrire un courrier. Il nous avait fait un modèle de courrier, par exemple, pour la 5008. Bon, voilà. Il faut pas demander grand-chose. Mais bon, ça peut toujours servir. Je vais arrêter d'évier du sujet. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée, un bon dimanche. Parce que là, je suis sûre que la vidéo, je la posterai le dimanche. Parce que ça, j'essaie de m'y tenir. La vidéo budget, le dimanche matin. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.